دابا اليوم جتم ران جتمعو pour parler de la conjoncture 2019. C'est une thématique qui s'impose à nous parce que effectivement c'est l'actualité, nous sommes en début d'année, il y a beaucoup d'incertitudes, les gens se posent beaucoup de questions, que ce soit au niveau des opérateurs ou des acteurs associatifs. Et donc ces questions concernent non seulement notre pays, mais aussi la région. C'est pour ça que nous allons traiter aussi à l'échelle africaine toutes ces problématiques-là à l'échelle africaine et aussi à l'échelle internationale pour avoir une vision internationale puisque le Maroc est baigné dans un environnement qui est ouvert. Et donc on va passer en revue un petit peu toutes les problématiques, qu'elles soient économiques, sociales, beaucoup sociales, parce que le défi aujourd'hui des pays en développement, c'est le développement humain et social et le développement durable. Bah aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de coopération entre les pays à relations historiques, hein, l'Europe, les États-Unis, et les nouveaux pays qui commencent à tisser des relations fortes avec l'Afrique. Donc c'est un véritable enjeu géopolitique, à la fois entre les puissances, mais également entre pays africains. Aujourd'hui, cette Chine-Afrique, comment elle va évoluer? Comment on va évoluer en termes de gestion de la dette chinoise? C'est des éléments qui sont extrêmement importants. Il y a des pays qui aujourd'hui se sont fortement engagés et qui ont obéré leurs ressources. Est-ce qu'on va continuer dans ce modèle? Deuxième élément aussi important, comment va évoluer la vision africaine de Trump et des États-Unis par rapport à l'Afrique? Est-ce qu'on va avoir cette guerre chino-américaine sur le continent africain, ou est-ce que, comme le prédisent certains ou comme poussent certains économistes africains, il faut laisser la Chine s'embourber en Afrique? C'est une grande question. Et par rapport à ça, il y a aussi, ne l'oublions pas, une petite rivalité européenne entre la France avec sa dynamique de reconquête, mais aussi une vision très sécuritaire migration, et l'Allemagne qui, avec son compact, essaye de se positionner. Et sans oublier aussi les acteurs qui sont la Turquie qui prend des positions, mais aussi l'Inde qui se réveille par rapport à l'Afrique. Donc il y a un enjeu géostratégique. Et c'est à l'Afrique de gérer, avec une bonne gouvernance, avec une priorisation, le meilleur dividende de cet intérêt pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que, ne l'oublions pas, cet intérêt ne va pas durer éternellement. D'ici 3-4 ans, les gens vont s'orienter vers autre chose s'ils ne transforment pas. Donc c'est un peu ça l'enjeu. C'est valable pour tout le monde, hein, pour tous les pays du continent, y compris le Maroc. Avant de sortir, ne vous oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube. Partagez la vidéo, dites j'aime. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي